Ça fait depuis 3 jours que je ne trouve plus l'inspiration. Mon cœur a été touché par la raison et la pression. Les personnes parlent du rap sans faire de grandes discussions. Non, j'ai pas la haine, mais ça fait à peine 5 ans qu'on n'en parle plus souvent aux médias, aux informations. J'ai eu du mal à y croire et en faire une grande décision. Une grande décision. Le rap disparaît de son âme pour en faire une arme. Tirez sur tout ce qui bouge, gardez votre calme. C'est juste un hold up, n'en faites pas de la pop. Ça risque de faire pao dans les boîtes, les endroits protégés. N'y voyez pas d'inconvénients. On est venu ici pour vous annoncer la vérité. La vérité fait mal, mais bon, faudra l'accepter un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Je me suis toujours noyé dans l'idée de jamais signer de label et de faire face au monde réel. On m'a toujours dit, fais ça pour le rythme. Et si personne te respecte, prends la fuite et fais-en une suite. J'ai jamais approuvé leurs consignes et j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai pris le dessus sans être déçu. J'ai gravi les épreuves et les critiques inévitables. Inévitables. La peur de la fin, le rythme de mon destin. La fin du rap approche. Sauver ce monde de rap sans faire une perle rare. Mais ne pas s'en soucier, c'est ne pas vouloir. Pour le voir, il faut le croire. En voyant tous ces barbares, j'ai eu du désespoir. Tu peux me faire confiance, je suis pas un homme de malveillance. Je suis assez réaliste, j'emmerde les propos racistes. On est ici pour se raconter des histoires, non pour avoir le pouvoir et rabaisser les gens ignorants. Peut-être que mes paroles sont blessantes, mais je me sens enfin comme un combattant qui bloque sa victime et se sent agressant. J'ai la chance d'avoir un micro pour m'exprimer et ne pas avoir à manifester. J'suis ok avec leur local, c'est la fin du rap. Mais j'trouve ça banal, c'est la fin du rap.